Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux BO. Deux BO de la saga Terrifier. Enfin, la saga, il y a deux films pour l'instant. Il y en a un troisième, a priori, qui serait en route. Avant de les sortir et de vous les montrer, et on va les déballer, on va regarder tout ça en détail. J'ai ressorti ce que j'avais sur ce film. Il y a ce coffret hein, qui, alors je sais même pas s'il est encore disponible, hein, il était limité à 2000 exemplaires, hein, donc coffret avec steelbook, plein de goodies. J'ai fait l'unboxing sur la chaîne, donc vous pouvez le revoir, je mettrai éventuellement le lien à la fin de la vidéo. Belle édition, j'ai regardé que Terrifier 2 pour l'instant, j'ai pas encore regardé le 1. C'est du grand guignolesque comme on dit, hein, c'est un déluge de sang, c'est très gore. C'est voilà, une sorte de train fantôme, donc à voir hein, pour les amateurs. Et à l'époque, quand j'avais acheté ce collector, il y avait deux VHS Video Club Collection qui étaient fournis avec. On retrouve les Blu-ray à l'intérieur, hein, mais je trouvais le concept plutôt sympa, même si c'est des films récents et qui n'ont pas eu le droit à des VHS à l'époque. Mais malgré tout, on a des superbes visuels qui étaient fournis sur ces VHS. Donc, voilà ce que j'avais sur Terrifier, et je me suis procuré chez Cinestory. Donc, j'avais commandé directement chez lui lorsqu'il les a mis en préco. Le vinyle de Terrifier 1. Donc, superbe visuel, vraiment magnifique, très très chouette. Donc vinyle avec 16 pistes, donc il y a 16 pistes, c'est limité également à 1000 exemplaires. Enfin je dis également non, là c'était 2000 pour le coffret, là c'est 1000 exemplaires. Donc Terrifier 1 et Terrifier Part 2, très très chouette visuel également. Vraiment, j'adore. Enfin, de toute façon, je les ai pris vraiment pour l'objet. Donc ici, limité à 1000 exemplaires. Donc là, j'ai le numéro 14. Pour celui-ci, on a 17 pistes. Bon, vraiment très très chouette. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va changer de plan. Parce que ce sera pas pratique si je reste comme ça. Donc, on va changer de plan et je vais vous faire le déballage des deux vinyles. En vue de dessus, ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus net pour vous. Donc voilà, on se retrouve avec le vinyle de Terrifier 1. Donc vraiment, je répète, mais le visuel est très très chouette. Hein. Donc il y a ce côté noir et blanc donc, qui permet d'éviter d'avoir un déluge de sang sur cette cover. On a le titre en rouge. Et au dos, donc on a la présentation des pistes. Il y a ce logo ESC parce que ces vinyles sont édités par ESC. C'est la première fois que ESC se lance dans le vinyle. Donc on verra si par la suite on a d'autres vinyles qui nous arrivent. Donc vraiment très très chouette. Donc je vais le déballer. Voilà, c'est déballé. Alors ils ont voulu mettre un côté usé, abîmé. Hein, c'est volontaire. Vous voyez, même sur la tranche, c'est usé. La texture est assez, assez originale. Et derrière, pareil, hein, vous savez, ce côté un peu craquelé, usé, même sur la tranche. Mais en tout cas, il est impeccable. Donc, quand on ouvre, hop, voilà ce qu'on a à l'intérieur. Donc, vraiment un format panoramique très, très joli. Ici, sur le côté, il n'y a rien. Donc, les disques sont là. Donc, on a le disque là. Et vous avez ici au centre le petit macaron avec les titres, donc face A et face B, avec à chaque fois un visuel différent. Vraiment très très joli, hein. Très très chouette. Donc ils ont gardé ce côté gris, noir et blanc comme on a sur la cover. Donc ça c'est pour le premier. Vraiment très très chouette. Hein. Donc le premier Terrifier, voici le deuxième, donc toujours ce côté noir et blanc, sauf que là il y a l'explosion, une sorte de gerbe de sang derrière, le titre avec le part 2, ça me rappelle le titre Vendredi 13 part 2, hein. C'est le même lettrage je trouve, et au dos, donc toujours avec ce côté un peu usé, donc, je vais le déballer, voilà c'est déballé. Donc vraiment, on a ce côté usé, hein, c'est très très visible, surtout sur la tranche. Vous voyez, même là, ici, c'est fait tout craquelé.
Bon, c'est un peu voilà, une mode un peu de faire ce genre de produit avec un côté usé. La texture est assez, assez étrange même, hein. C'est presque doux. Donc, pareil, vous avez le côté usé derrière, le petit logo USA, donc le numéro ici de mon édition. Et quand on ouvre, donc voici le visuel à l'intérieur. Alors si vous avez vu ces films, un Terrifier, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Moi pour l'instant j'ai vu que le 2, je vais regarder le 1 très très vite. Surtout que là c'est vraiment la période pour regarder des films d'horreur. Donc le vinyle est ici à l'intérieur. Donc déjà les visuels qui sont différents de chaque côté. Donc ici partent donc la face A avec 8 pistes et la face B avec 9 pistes. Et là c'est rouge. Donc on a gris d'un côté, rouge de l'autre. Comme sur les pochettes, hein, vous avez du noir et blanc gris et du rouge. Donc vraiment très très joli. Très très chouette ce vinyle. Donc le 2 et le 1 que moi j'ai acheté chez Cinestory. Donc vous pouvez voir chez lui s'il en a encore. Mais en tout cas, c'est des éditions limitées, hein, 1000 exemplaires de chaque. Donc à un moment donné, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Mais en tout cas, vraiment très très belle édition pour une première chez ESC. Donc voilà pour la présentation de ces deux vinyles hein, qui sont là juste au fond. Vous voyez, ils sont vraiment magnifiques. Avec le coffret Steelbook avec les deux films, plus le film All Hallows Eve. Les VHS Video Club Collection. Donc là, je pense qu'au niveau Terrifier, je suis plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur les films, si vous les avez vus. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez vraiment regardé les deux films? Pour ceux qui ne connaissent pas ces films, c'est très très gore, hein. C'est très particulier, faut aimer, voilà, il y a des scènes vraiment faut accrocher, le moins de 16 ans est totalement justifié. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur les films, sur ces vinyles. Hop, je vais les remontrer hein, qui sont vraiment très très chouettes. Voilà, vous les voyez au fond, vraiment très très joli vinyle, édition limitée à 1000 exemplaires pour chaque. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et puis on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.